Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de USC Counter Force. On se retrouve pour la campagne et c'était pas gagné. On a ce Telfa Scorpion ici à gérer, mais autour on est complètement englué à cause de tous les trucs de nids et autres saloperies qui traînent. Donc un objectif serait éventuellement de reculer de partout pour lui tirer dessus. Peut-être tirer sur ce... sur cette petite piscine de radio hasard pour la nettoyer, mais le problème c'est qu'elle va faire des dégâts d'explosion et qu'il faut pas qu'on soit proche. Et malheureusement, on peut pas passer parce qu'il y a un alien grouse ici qui nous coince. Donc globalement, on est coincé un peu de partout. Donc ce qu'on va faire, déjà, ça nous coûte rien. Péter le nid, ça fera de la place. On n'est pas encore sorti du sable ici, donc autant s'en débarrasser rapidement. Broodymur, il va reculer. Merde, putain, il y a du poison. Ok, recule. Toi, tu vas reculer par là-bas. Où est-ce qu'on va pouvoir se mettre en sécurité pour pouvoir allumer ce truc, quoi. On est obligé de se reculer complètement. Alors là, ce qu'on va faire... c'est qu'on va quand même tirer sur ça. Je crois qu'on peut le... oui, on peut tirer sur ça pour le détruire. Voilà. Et après, tu te barres par ici. Ok, donc déjà c'est bon. Il nous reste Flamme à l'astre qui est un peu trop proche. Il peut jump ici en sécurité. Vas-y, jump là. Et donc du coup, toi, Snipey, faites-nous ça. Ah putain. De partir de vue, pas cool. Du coup, on pourrait sortir toi. Non, il est planqué derrière le rocher, quoi. Allons faire. Ici, on peut pas passer. Ici, on peut passer. Est-ce qu'on aurait un tir là? J'ai plus de celui-là. Oh là là, mais allez, c'est un 80%. Au secours! Bah du coup pas le choix, va falloir tanker. Passer un tour ici à tanker. Quoi? Ah, il y a cette saloperie qui est là, quoi. Tu te mets ici et que tu défends. Ouais, le problème c'est qu'il va pouvoir s'approcher là, donc non, faut qu'on vienne ici. On va défoncer lui, il y a peut-être moyen quand même qu'on arrive à se le faire. Et après, il faut défendre par là. Défendre par ici, on ne le voit pas. Là, il y a un rocher qui nous coince, donc on va mettre lui là. Il nous faut plutôt lui. Vas-y, défends par là. Tu vas même te baisser pour défendre par là. Ned. Ah putain, on voit pas du tout la zone, quoi. Est-ce qu'on pourrait pas péter ce nid? Il a encore 462, c'est beaucoup trop. Là, on a plus du tout de points. Non, il nous reste 30 points. On pourrait ici essayer de nettoyer le nid. Pour ouvrir nos lignes de vue. Tellement, tellement dur à péter. Viens là pour pas gêner les tirs. Tac tac tac. Qui c'est qui a un snipe? C'est toi. C'est Doc qui a un snipe. Merde. Ok, tu vas te baisser toi. Hop. Doc, tu viens là. Tu sautes ici. Reload, tu défends. On est d'accord que tu peux pas lui tirer dessus. Hein. Défends. Il reste plus beaucoup de vie. Hein. Si on arrive à lui mettre un tir, ça le fait. Ici, on va continuer de défendre en bas. Du coup, pas le choix. Pas mal à astre. Bah, tu peux pas faire grand chose. Tu vas défendre cette zone des fois qu'il reste des trucs. Toi, c'est pareil. Tu peux pas faire grand chose. Il nous reste qu'à des points. Toi, venir là. Histoire de
de gagner un peu de mouvement pour la prochaine fois. Et on est parti. Sachant qu'en plus, il va nous foutre des flammes partout, même si on arrive à le détruire. Hein. Allez là. Tape encore. Oh là là, encore un. Il nous crame nos zones de tir, l'enfoiré. Un peu par là. Et ça grouille encore. Bon, j'ai ça de pris. Normalement, ça devrait bientôt être le tour des scorpions. Bordel. Ça pique. Ça pique. Il est mort. Soldat d'Onyx qui meurt. Ouais, ça fait chier. Tellement d'ennemis quoi. C'est un truc de fou. Ok, bah on va recharger, c'est pas grave. Hein. On essaye de faire un sans décès pour le moment. Soldat d'Onyx pour l'instant mort au champ d'honneur. Ah mais les alpha scorpions, ça fait tellement mal. Mettre un petit peu de ventilateur parce que mine de rien il fait très chaud. Alors bon, de toute façon pas trop le choix sur ce qu'on devait faire au départ. Il faut buter l'œuf, en plus c'est un œuf de scorpion. Clairement on veut pas un scorpion en notre dos. Voilà, cette fois on n'y va pas. Broodeuf, là pour le moment il est trop proche hein. On se fait péter si on le... Broodeuf, tu peux en terminer avec lui. Voilà, déjà, ça fait un peu de place. Vous pouvez me taper sur ce truc-là, faire de la place là, ça serait bien. Voilà, parfait. Comme ça, tu vas là. Et on a de la place pour caler du snipe éventuellement. Donc là, Doc, tu vas ici. Flamme à l'astre, tu vas te replier tout là-bas. Le soldat également. Laisse la place au snipe ici. On recule. On défonce ça. Et après, on défonce le nid et recharge. Bien, là-dessus, voilà, au moins. Ça déclenche des flammes, mais on est moins emmerdé. Ici, on évacue. Ici, on évacue. Plus de munitions. Vas-y, recharge. Et c'est le moment de péter le cul, ce truc. T'as plus de points. Mais on a une vision, même si c'est de la merde comme chance de toucher. Voilà, ok, au moins ça c'est fait. Le scorpion c'est fait. Maintenant, on a juste des flammes, du radioactif pool, tout un tas de trucs sur le chemin. On va peut-être pouvoir faire le tour par là. Non, parce qu'il y a quoi? Des flammes probablement. De toute façon, il y a du shadow flamme. Mais au moins, on est un peu plus clean. Reload, défense. Couvre-moi ça. Toi. Prépare-toi à défendre par ici. Mazamagun, c'est pareil. Défends cette zone. Ici, on reload. On défend. On défend. Ok. Toi.
Il va défendre ici avec ton pompe. Parce que là, s'il y a un truc qui passe, au moins, tu l'avoines. Et toi, tu vas pouvoir redescendre. Les corps à corps, ils ont plus rien. Donc toi, tu défends l'alignement, là. Parfait. Toi, tu recharges et t'as plus de points. Ok, bon. On a passé la moitié du temps, on est coincé par des flammes un peu partout, on sait toujours pas où est la sortie. Je suis parti du principe qu'elle était par là, mais je peux complètement me gourer. Il y a un truc qui tape très fort là. Vu que c'est le tour des worms, ça doit être un worm alpha probablement. Ça peut-être plus safe par ici maintenant. Hein. Mais bon, on peut pas passer notre vie à se balader partout, quoi. Et les worms qui laissent des poules derrière eux, c'est quand même hyper chiant, quoi. Il nous faudra des petites cryogrenades pour arrêter les... pour éteindre les flammes. Ah, ici, ça a percé. C'est l'heure des Reapers. Aïe. Aïe. Ouais, le truc acide fait pas tant de dégâts, mais... Par contre, il met des sacrés stacks de tranquillisants et de poisons. Hein. Ok, là, le flamalastre, il est un petit peu dans le mal, on va dire. Si on prend cher en poison, il va nous falloir une picouse, là. On a quoi, 12 stacks de poison? Ouais. Il va falloir une petite picouse. Bon, là, on va se fendre d'un petit scan juste pour voir les PV. Lui, il n'est pas tout à fait mort. Ok. Alastre, bim! Un coup de pompe, un autre coup de pompe et un dernier coup de pompe. Donc lui est mort. Il reste un PV, quoi. De toute façon, on peut pas passer ici, donc... Là, il n'y a rien, donc ça veut dire qu'on peut sauter. On va envoyer un soldat voir un peu. Il y a un ennemi juste ici. Putain, c'est encore bouché là, quoi. Armored Worm, Skitter. Bon, c'est le bon endroit où balancer une petite grenade, là. Pas la lancer au milieu, dommage. Tant pis, on va le tirer un peu. Et après, on va sans doute se replier, encore que. Encore que. C'est que des petits, là. Bon, il y a un mec un peu gros, là, mais il peut décider de partir par ici. Ici, ce serait probablement le plus rapide. Les flammes vont rester encore un ou deux tours, je pense. On va défendre par là. Toi, tu vas te mettre ici. Tu peux tirer sur ça. Et te rater. Parce que pourquoi pas. Un double. Lui mettre un petit peu de stack. On va envoyer peut-être plutôt un des tanks. Understood. Vas-y, saute dans le tas. On a confiance en toi, il y a un scorpion ici, ça c'est la merde. Tu peux te mettre comme ça et défendre. Excellent. Toi, bah du coup, en fait, ouais, on peut passer par là, il n'y a même pas besoin de sauter, j'avais pas vu. On va défendre. Et on va se préparer à progresser par là. Alors du coup, plutôt toi. Parce qu'on va avoir besoin là d'une petite couze. Voilà. Très bien. Ensuite le doc. Là on va caler une zone de défense toute naze. T'aurais peut-être bien besoin d'un petit soin quand même toi aussi, mais bon. Ici il faut qu'on couvre l'arrière. Il reste un PV. Donc on va défendre par là. On va mettre... Yes, sir.
Azamagun, on va mettre Rockmed. Rock Attack, relève-toi. Là, il y a déjà quelqu'un, on est d'accord. Là, tu peux défendre par là d'ailleurs. Toi, tu viens là. Tu t'accroupis, tu défends. Rock Attack, tu reload, tu défends. Toi, tu reload, tu défends. Et toi, tu vas venir te mettre ici, accroupi, tu défends. Il nous reste toi, bah tu vas défendre. Bah t'as plus de munitions, donc tu vas reload et après t'es niqué. Il me semblait que t'avais pas, t'avais plus de points. Bah tu vas mettre un tir là-dessus. Il y a des bonnes chances de crever comme ça. Et puis bah tu fais ce que tu peux. Mazamagun, tu te retournes, excuse-moi. Toi, tu te baisses et tu défends. Et toi, pareil, tu défends. Lui décède, ça c'est fait. Lui malheureusement ne meurt pas. Ça c'est bien dommage par contre. Oh, putain, il a fait des œufs quoi, l'enfoiré. Et ça c'est mort. Tellement ces flammes pouvaient s'éteindre là. Le scorpion, on va reculer, on l'allumera. D'accord, il tape sur son pote pour passer, ça me convient. Ah. Ah, les missions de l'enfer quoi. Lui il voulait juste s'enfuir. Du coup il nous tape même pas. Tout cool. Pas bien qu'il y en ait un qui nous pète ça là. Ouh, il y a un alpha là. Bonjour. Oh putain la vache, il nous a repoussé dans le mur, il a explosé le mur avec le soldat d'Onyx quoi. Ah la violence. Bon Malice qui va avoir besoin d'un petit pansement. Ça c'est l'alpha qui était ici, hein. Il a essayé de venir là plutôt que nous poursuivre. C'était malheureusement pas une improbabilité on va dire. Ok, là il y a un réactif pool, donc on va venir ici. On l'ubercoque que la tronche dans le dos. Munitions, on recharge. Voilà, ça c'est fait. Toi, il faudrait que tu recules. On va mettre le soldat ici. 57% sur lui. Il faut le péter. Allez, grazed. Allez. Allez, on tue l'autre. Ok, pourquoi pas. Ok, parfait. Ça nettoie. Ça l'a pas tué celui-là, mais. Ça nous met un peu mieux quand même. Là, il y a une radioactive pool qui n'a pas explosé. Stop, stop. Putain. Ah oui, il y a une radioactive pool ici. Saute là. Toi, il te reste plus grand chose, donc va te mettre là. On va plutôt y aller avec toi. Vas-y, jump. Est-ce que tu vois celui-là? Non, malheureusement. Mais là, oui. Excellent. Et excellent. 29%, ça me va pas. Ici, il y a un cristal. Pourquoi pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se coucher et défendre. Il faudrait qu'on amène Doc. Viens par là, Doc. Vas-y, jump. Viens jusqu'ici. Mets un petit... Voilà. Un petit truc comme ça, et après défends. Toi, défends. Ici, ça s'est pas éteint, donc on va progresser. Là, ici, il te restera 11. C'est suffisant pour jump, donc vas-y, viens là. On va envoyer Flamme à l'astre. Pour qu'il ait du potentiel s'il y a besoin de cramer des trucs. Et puis, bah, on va avancer, hein. Un petit scan. Encore du monde par là. Mais il n'y a pas de violet. Ce qui est plutôt bon signe. Si c'est pas là la sortie, on est dans la merde.
Enfin, l'entrée plutôt. On est dans la merde. Faut qu'on se replie, quoi. Ouais, viens là. Toi, viens ici. Le nid, là, il s'est éteint. Il veut dire qu'on va probablement envoyer Broodymur péter des trucs. Understood. C'est un œuf de quoi, ça? Crawler. Normalement, il devrait pas éclore tout de suite. Hein. Juste couvrir les arrières avec Mazamara. Et toi, tu vas couvrir par là. Même si c'est pas oufissime, on s'entend. Ok, bah écoutez. On va se mettre en défense partout. Hein. Alors, toi, plutôt par là. Ouais, c'est une idée de merde, ça. Je sens que ça va mal se mettre. Toi, tu peux couvrir par ici. Pokemed, couvre par là. T'as quand même un petit peu de vision. Et là, on est bon. C'est parti, on passe. Sérieux, il a éclos direct le nid. Putain. Et quand on met des gens à côté, ils ont tendance à vouloir éclore plus vite. Hein. Oh, le Alpha Worm Pig, il est là. Alors lui, c'est pareil, hein. Il explose sur une énorme zone. Il va donc falloir que on recule pour ne pas changer. Alors l'idéal, ce serait de reculer plutôt par là, si on peut. Bon, ça va que c'est Broodymur qui prend. Putain, il met tellement de stacks de saignement, le saloprio. Encore un scorpion, putain. Ça, c'est un chasseur, hein. Il vise le plus faible ou une cible précise qui t'a traversé nos lignes. Bah, on va peut-être reculer puis laisser Flamalas faire le taf. Hein. Mazamara, tu peux pas tirer un peu plus que ça? Pourquoi tu tires pas plus que ça? Il y a l'œuf qui te gêne peut-être. Ah, il y a l'œuf qui gêne. Oula! Ok! Il nous faut le lance-flamme là! Oh putain, il tape sur le Worm Pig. Flamme à l'air, ça va être pour toi. Voilà, clairement là, ça va être à toi de jouer. Je sais pas comment on va faire pour que tu passes devant, mais il faut que tu passes devant. Alors du coup, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on a comme mur? Ces murs-là, ils sont quasiment pétés. On va faire un peu de place. Et... voilà, on fait un peu de place. Ensuite, tu viens ici. Tu vas mettre un petit coup dans le dos de ce machin-là, comme ça c'est fait. Donc ça va nous permettre de reculer là. De reculer toi ici. Il va allumer là. Ton petit PM sur la petite créature à la con. Ici du coup on peut sauter. Pour reculer. Toi tu peux jump, tu peux pas jump, pourquoi tu peux pas jump parce que tu es couché. Vas-y. Hop. Toi tu viens là, comme ça tu peux re-jump. Ensuite tu viens là, ça nous permet de mettre Doc ici pour qu'il jump par là. Et là on équipe ça et on disperse tout là-bas. Et là ça va nettoyer là. Et bah du coup le Alpha n'a pas cramé. Enfin je pensais qu'il allait ajouter à l'explosion mais en fait non du coup. Tout a instantanément cramé. Alors ce qui est pas forcément top parce que ça nous bloque le chemin mais c'était visible. Hein. Un pinpoint là on peut peut-être. Non putain pinpoint c'est que lui. Et puis on nettoie celui-là. Allez. Putain ça a tellement de vie cette saloperie. Zmoy 6, claque moins scan. Je prends que moins 16 de dégâts. Et là on a un Hunter Reaper. Il y a un mode énervé en plus.
Ouais, reload, on pourrait balancer une petite grenade, pourquoi faire, rien de très intéressant. Ça vaut pas le coup. Malice pourrait revenir tanker, mais pareil, c'est pas forcément d'une utilité folle. Je me mets ici, je bloque tous les gens qui voudraient revenir. Donc on va revenir avec quoi? On va revenir avec toi et tu vas t'accroupir et défendre. Et avec les 4 qui nous restent, on va s'accroupir. Là, on reload, on défend. Là, on reprend le pompe, on défend. Ici, on fait pas grand chose d'autre. Malheureusement, on va reload, on va défendre. Là, on va continuer de couvrir par ici avec toi. Mazamara est trop près pour que tu le tues du coup. Mais toi, tu peux t'en occuper avec ton petit minigun. Voilà, il a crevé, parfait. Tu vas défendre par là en bonus. Il faudrait qu'on s'occupe de celui-là là qui est dans notre dos. Putain, t'es sérieux, il y a un truc qui nous coince là. Tellement abusé. Du coup, il est coincé celui-là. Bon, vas-y, défends par là. Et toi aussi. Si t'arrives à caler des tirs, c'est tant mieux. Malice, tu vas défendre. Broudimur, tu peux rien faire d'autre. Et ben c'est parti, on avance pas, on avance tellement pas. C'est ouf. Des nick et close à droite à gauche. Faut que je regarde le contour là. On en est où du contour hein? Là il va nous stacker un max de saignement, l'enfoiré. Notre morale tombe en plus. Caillou décide de se barrer. Et du coup il a déclenché l'hydrazine. Excellent. Et là tu déclenches pas le tir. Bon bah ok. Pas de soucis. Il meurt des flammes, ça me va. Ah putain, on est en overquack avec la soldate là. C'est pas efficace à cette distance. Bon après, on tire un peu sur tout le monde, hein. C'est la bonne, c'est quand même le bon plan. Hein. Donc, on a plus de quoi... Ah putain. On a plus de quoi taper, en plus elle a laissé un œuf derrière. Vraiment pas cool. On est à 10 tours sur 15, ça va, c'est pas si critique que je le pensais. Honnêtement, ça va. Bon, là, on va essayer d'aller par là. Est-ce qu'on peut se faufiler par là? Non, c'est ce que je craignais, c'est trop serré. Donc, on va tuer ce cornio. Voilà, il a plus aucun point, comme ça c'est fait. Quoi? Ou un petit focus fire là sur lui. Ça c'est fait. Alors ici, on a nos snipers qui sont au corps à corps malheureusement. Donc toi tu vas venir ici. Là on va. Uberquack, la Mother. Et maintenant est-ce qu'on a moyen de se faufiler en dehors de ces foutues flammes? Là non, si j'essaie d'aller par là, obligé de marcher dans les flammes. Ici, il y a du radioactif pool. Toi, du coup, tu peux peut-être sauter là. Non, tu peux pas sauter là. Toi, si je te relève, tu peux sauter dans les flammes. Oh là là, quel enfer. Répétez ce truc-là, mais il est à 132 encore. Celui-là, c'est moins coûteux. Malice. Mes idées coups de katana, c'est pas le plus efficace. Hein. Non, ouais, ok, c'est de la merde. On peut pas péter un mur avec du katana. C'est pas possible. Il va nous falloir une hache. Et il y a que Broudaf qui a une hache, je crois, dans cette équipe. Yes, on a un couteau là, mais j'y crois pas trop. On peut essayer un coup de couteau là, mais... Ouais, c'est deux. On va dire que ça change pas des masses.
Ce qui serait pas mal, c'est de se faire l'œuf là. Alors qu'au moins, il nous pop pas une autre saloperie en bonus. Celui-là, il est à 67. Là, c'est à 250. Là, c'est à 54 seulement. Mais après, le problème, c'est qu'on serait coincé par celui-là de toute façon. Ah, on a zéro angle pour sauter. Il nous faudrait quelqu'un avec une grosse agilité. On a dit que toi, tu l'avais, hein. Ouais. Donc, on pourrait envoyer elle devant. Toi, tu vas pouvoir te mettre un petit soin parce que du coup, t'es dans le mal. Et reculer. Là, on pourrait mettre un petit bandage. Ok. Et après, est-ce qu'on pourrait réussir à faire de la place pour atteindre notre ami, là, Broudaf. Mettre un petit nouveau plast. Voilà, parfait. Tac. C'est tellement la merde. Holding position. Load, défend. Ouais, on commence à avoir diminué un peu le nombre d'ennemis, hein, c'est la bonne nouvelle, mais... C'est pas ça qui va nous aider plus que ça, quoi. Et ces flammes, elles sont là pour un moment, quoi. Bon, comment on pourrait faire? Qu'est-ce qui est mieux, au final? Je pense que ce qui est mieux... C'est de marcher là-dedans. Ça fait chier, mais... C'est le moins chiant. On va jump par ici. On va essayer d'aller voir au moins si on voit la sortie. Pas de sortie. Là, on est en bout de map. Il y a encore la brasse d'ennemis. Et par là... Ok, d'accord. Bah, inutile de vous dire que c'est la merde. Inutile de vous dire que c'est la merde. Là, il y a un œuf. Est-ce qu'on peut mettre un coup de scan? T'as 16 points, toi, c'est 5 pour ça, vas-y, mets un scan. Il y a encore plein d'ennemis relous ici. Du coup, ça pourrait être tout, quoi. Tout là-haut. Peut-être tout là-haut. Mais alors, on n'a rien nettoyé par là. Bon. C'est mal barré. On va peut-être devoir prendre la déotonite et se barrer. Hein. Ce premier nettoyage de Nice sera peut-être un échec. Mais comment... La question c'est est-ce qu'on peut revenir et est-ce qu'on garde un peu notre progression si on revient? Parce que là il y a des eggbags, ok. Des ennemis ici. Beaucoup de choses à voir par là-bas. Il y a encore pas mal de points. On va pousser un peu. Ok, là c'est un nid. Pas cool. Ici, il y a une énorme zone de nid. Et toujours aucune trace d'une zone d'extraction. Il n'y a que dalle. Vas-y, défends avec ton petit pompe comme tu peux le faire. Ici, tant pis, on va, pareil, se faufiler. Hop. Histoire de défendre un peu. Doc, il n'a plus rien. Ici, on va continuer de défendre l'arrière. Ouais, tu vas marcher là-dedans, malheureusement, ça fait chier, mais bon. Sauter là.
histoire de filer un coup de main. Hop. Toi, t'es pas en défense. Ici. On va descendre par là, tant pis. Et là, les murs, ouais, ils sont encore blindés, les murs. Là, c'est pas si blindé, là. Ça a bien pris cher, là. Est-ce qu'on se tenterait pas un petit tir des familles là-dedans, là ? Focus fire. Ah putain, il y a un autre mur derrière. Ok. C'est de la merde. Donc il reste toi qui a des points, mais putain, t'as plus rien pour soigner. On n'a même pas passé la première zone, quoi. On est tellement pas prêt. On est tellement pas prêt, c'est ouf. Ici, l'œuf qui éclot, parce que pourquoi pas. Là, il coince ses potes, ça me va bien. Le petit coup de pompe à bout portant qui fait plaisir. Et un gros truc qui se déplace, ça tremble. Après, rien qu'en déotonite, on se barre, c'est rentabilisé. Hein, mais... Oh, putain, le Warm Peak attaque au corps à corps, quoi. Il a même pas déclenché les... Waouh. Coucou, toi. Ouais, ceux qui sont à demi, ils peuvent se déplacer dans cette diagonale, là. On se tourne sur 15 et on n'a aucune idée d'où est la sortie. Faut qu'on se barre. Ici, on va pouvoir sauter par là-bas. On va aller voir. Ouais, non, mais de toute façon, on peut atteindre la sortie. Là. Ok, faut qu'on se tire. Est-ce qu'on voit toujours pas la zone d'extraction, là? Non. Searching. Understood. Ok, on se replie, c'est pas possible. On peut pas... on n'est pas prêt. On n'a pas une bonne équipe, je pensais pas qu'on aurait vraiment aucun truc à pirater, etc. Non, stop. Lève-toi. Il faut qu'on s'arrache. C'est pas possible, on peut pas gérer ça. Voilà. Toi, t'as assez pour rejoindre l'un des deux? Non. Ici, on a assez. En passant par là. Alors maintenant, est-ce qu'on peut sauter? Là, on peut sauter. Après, passer par là. Honnêtement, je pensais pas prendre aussi cher. Je m'attendais pas à la race d'ennemis avec le déploiement infernal et tout. C'est... Waouh. C'est un truc de fou, quoi. Le mode hard, on le sent bien. Bien, bien, bien. Allez, tout le monde s'arrache. Toi, tu peux atteindre. Tu peux atteindre. Vas-y, en plus, tu feras peut-être de la place pour les copains. Après, lui, il a tellement pas de points d'action. Tant pis. Il va rester un peu derrière, mais les ennemis sont loin. Ça devrait pas être problématique. Toi, tu vas là. Tu sautes. Et après, tu peux te faufiler par ici. Je préfère pas risquer d'aller par là, sauter et me retrouver ici à court de points. Alors que là, on est quand même beaucoup mieux. En termes de protection. Il y a des flammes qui nous protègent un peu là. Là, pareil, ils sont en galère de passer. Il y en a probablement qui vont nous atteindre, mais ça va pas. On va pas manger chaud, quoi. Ok, même pas. Understood. Allez, on s'arrache. Bon, bah, c'est pas une franche réussite. Bah, ouais, mission failed, j'avoue. On doit être beaucoup plus préparé avant de lancer un assaut sur un nid la prochaine fois. Je suis d'accord. On a bien, bien mangé.
Du coup, returning to base. Ok, donc là, ils sont. C'était ça en fait. Je n'étais pas sûr le petit truc là, returning time. Mais ça veut dire qu'il leur faut deux passages de tour pour qu'ils reviennent. Et après, potentiellement, ils seront blessés. Il faudra qu'ils se soignent. On a pris un peu d'XP, mais c'est pas non plus dingue. Sauf. J'ai cru voir là. La soldate qui est pas mal XP. Le soldat d'Onyx aussi qui a pas mal XP, c'est plutôt pas mal. Mais ok, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et du coup, la Déotonite ne sera dispo que dans deux tours également. Bon, zéro loot dans ces zones-là, c'est franchement pas le bon endroit. On va pouvoir se faire du coup une petite expédition ici, je pense, par contre. Qui se passera, je pense, beaucoup mieux. Mais ouais, je comprends l'envie de nuke des trucs, hein. Bon, après. Ça n'a pas de pénétration, donc ça servirait pas à grand chose de nuke ça, mais. Waouh, la violence. Ok, bon, bah du coup, on va arrêter l'épisode là, de toute façon. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me donner des conseils si vous en avez. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!